السلام عليكم. اليوم بدي في حل اختبار مادة اللغة الفرنسية السنة الخامسة ابتدائي. قبل ما بدي في التخصص مسجل باش نديرو معنا ابوني، تشاركوا معنا ابوني. بدي قراءة النص لا شير دو سيد احمد. او كالي جولي لا شير دو سيد احمد، كالي جولي افيك سي زيو دو سا بيتيت باب ses sabots noirs, ses petites cornes et ses longues poils. Et elle est sage, elle se laisse traire sans bouger. Ah, mais je me l'aime, mais c'est Sid Ahmed. Quelle est jolie la chèvre de Sid Ahmed. Quelle est jolie avec ses yeux doux. Inna jamila bi'aynayha an-na'ima. Doux an-na'ima. Yeux aynayha. Sa petite barbe. Wa lahya saghira. باب هي اللحية سي صابو نوار وأحذيتها السوداء صابو أحذيتها وقرون صغيرتين سي بيتيت كورن لي كورن هما قرون اي سي لونغ بوال وشعر طويل بيضاء اي سي لونغ بوال بلون بلون هي بيضاء بوال هو الشعر لونغ طويل Et elle est sage. Voyez Hakima. Elle se laisse traire sans bouger. Tapra c'est quittant. Bidoun antataharak. Elle se laisse tapra. C'est le verbe laisser au premier groupe. Traire yeskoutou. C'est le verbe traire au deuxième groupe. Sans bouger. Bouger. Tataharako yataharako au premier groupe. C'est Sid Ahmed met sa nouvelle chèvre dans le jardin de sa maison. سيد أحمد يضع معزته الجديدة في بستان منزله. مي سي لو فيرب متر. يضع سا نوفيل شيفر. نوفيل هي الجديدة. شيفر المعزة. دون لو جاردان. في بستان منزله. دو سا ميزون. لا ميزون دو كي؟ دو سيد أحمد. دو سا سي كي؟ سي سيد أحمد. سا ميزون. أتاشي أفيك إن لونغ كورد. مربوطة ب حبل طويل مربوطة بحبل طويل elle est heureuse إنها سعيدة qui la chèvre qui elle est heureuse elle représente la chèvre puisque la chèvre elle est féminin le pronom personnel elle devient féminin elle est très heureuse et brout lèvre وتتغدى الأعشاب وتتغدى الأعشاب سيد أحمد لا رغاد جويزمون سيد أحمد ينظر إليها بفرح لا رغاد لا elle représente la chèvre la rogade elle regarde سيد أحمد regarde quoi regarde la chèvre là elle remplace la chèvre joyeusement c'est un joyeusement بفرح un amour de petite chèvre حب المعزة الصغيرة حب المعزة الصغيرة donc maintenant هذا السيد أحمد il a un petit chèvre qu'il aime beaucoup elle dit un amour de petite chèvre qui aime cette petite chèvre c'est السيد أحمد c'est lui qui aime cette petite chèvre dans la première paragraphe il parle de la description de la chèvre huwa wasf al-maza nawsfuna al-maza avec qu'elle est jolie avec ses yeux doux bi'annaha jamila bi'aynatiha an-na'ima wa laha ahdiya sawda des sabots noirs elle a une petite barbe lahya saghira ses petites cornes hna 'andha qurun saghiratayn long poil blanc hna hada sha'ruha bayda tawil Donc la première paragraphe, elle nous parle de la description de la chèvre. Puisqu'elle a des adjectifs, ce sont doux, bas, petite, noir, adjectifs de couleur, petite, ce sont longues, ce sont déjà des adjectifs. Maintenant, on va montrer que la première paragraphe, elle nous parle de la description de la chèvre.
نروحوا إلى فهم النص comprehension de l'écrit. Choisis la bonne réponse. اختار الجواب الصحيح. هنا عطاونا ce texte. عطاونا deux choix. Juste à l'اختيارات. Raconte l'histoire d'une chèvre. Décris la chèvre de Sid Ahmed. ما هو الاختيار اللي نختاره؟ Parmi هادو les deux choix. نروحوا للتكست ونشوفوا. Est-ce que le texte راه يهضر لنا على la description de la chèvre هو وصف المعزه ولا راه يحكي لنا على المعزه المعزه واش دارت هنا لو تيكست راه يتكلم على المعزه تاع سيد احمد وراه يصفنا المعزه تاع سيد احمد ما راهش يهضر لنا على لا شير راه يحكي لنا على لا شير واش دارت واش اخر يحكي لنا على la description de la chèvre Puis on a les adjectifs doux, petite, longue, du petit corne. Ce sont des wasafat. Ce texte décrit la chèvre de Sid Ahmed. Relève de texte des parties de son corps. Istakhrij min an-nas ajza jismi. Ajza jismi al-ma'za wa shahuma. أجزاء الجسم الحيوان شو هما الرجل الأنف الديل القرون هنا في التكست تاعنا احنا ذكرونا أجزاء وقالوا لنا ما هما أجزاء لي بارتي دو سون كور دو كور دو لا شير نروحو للتكست ونقراو ونشوفو ما هما أجزاء المعزة كالي جولي افيك سي زيو دو هو دا زيو هو جزء من المعزة Sa petite barbe, barbe ou juste mina, jisme al-maza. Ses sabots noirs, sabots ou juste mina, jisme al-maza. Donc, les sabots ou juste mina, la partie de la chèvre. Et non, la barbe ou juste mina, la chèvre. La barbe, rien, l'ahia. Les yeux ou juste mina, al-maza. Ses petites cornes, et de les cornes, couronne, et de ma couronne, grande, ou ma juste mina, al-maza. Les poils, char, char. Le maza ou juste mina, le maza. C'est une partie de la chèvre, le poil. Char, le maza. Elle est longue et blanche. Là, rojo, un mois d'août, non, les parties du corps de la chèvre, les parties du corps de la chèvre sont les yeux, la barbe, le poil, corne, les sabots. Donc, les parties de la corps de la chèvre. On va à la troisième question. Relève du texte synonyme de manger. Mange. Mange, c'est le verbe manger au premier groupe. Le synonyme, c'est elle est heureuse et broute l'herbe. Le broute, c'est un synonyme de mange. Mange et broute, ce sont des mêmes sens. Elle a mangé pour l'homme, pour les gens, une scène. الاخر وبروت احنا ندو للحيوان احنا الحيوان ما نديروش نقولوا له لي شيفر مون قالوا لي يوم مون نقولوا ان بروت بروت لير نروحو لو كاتريام كيستيون انكادر لي جروب دو لا فراز حود الجمل حاود الجمل ال اي ساج هنا عطاونا اون فراز ال اي ساج اون فا دي روغروبي اون جروب اون سوجي اون فا شيرشي واش كالي لو سوجي لو جروب فيربال لو جروب نومينال اون فا لي روغروبي شاكان سا جروب كما هنا عندنا ال سي ان برونون بيرسونال برونون بيرسونال او ميم تو سي ان سوجي اسم هو اسم هذا ال يعود لنا اسم سي ان سوجي اي سي ان فيرب اي اون ميم تو سي ان فيرب ديتا اون ميم تو سي ان اوكسيليير اتر كونجوغي او بريزون جو سوي تو اي ايل اي ال اي نو سون فوز ات ايل سون هذا اي هذه كونجوغي سي ان اوكسيليير اتر كونجوغي او بريزون اي اون ميم تو سي ان جروب فيربال ساج C'est un adjectif. Ça, c'est un adjectif. En même temps, c'est un groupe nominal. Ça, c'est un adjectif. C'est pas un verbe. Se conjugue pas. Et en même temps, c'est un groupe nominal.
On va passer aux cinquièmes questions complètes au présent. Maintenant, il nous a donné une phrase, il regarde la chèvre. Maintenant, nous avons un pronom personnel, il regarde, c'est un verbe, regarder au premier groupe. Les exemples, on a un exemple avec le pronom personnel tu. Regarde comment devenir avec le pronom personnel tu. Tu regardes la chèvre. Tu se termine, tu regardes, le regard se termine avec ES, avec le pronom personnel tu. Anta tandoro al-maza. Rouen, il regarde la chèvre. Ou yandoro al-maza. Anta tandoro al-maza. Vous regardez la chèvre. Antum tandorna al-maza. Regardez se termine avec EZ. Avec le pronom personnel vous, deuxième personne ou pluriel. Tu as deuxième personne ou singulier. Rana tu raha fil mufrad, deuxième personne fil mufrad, ou vous raha deuxième personne au pluriel, fil jam'. Antum tandurouna al-maza. Mais au masculin, ij'al ila al-mufrad. Rana, quelle est jolie la chèvre de Sid Ahmed. Elle dit la phrase, elle est au féminin. Non, on va le rendre au masculin. Quels sont les mots qui vont devenir masculins? On a le pronom personnel elle, aller au féminin. Au masculin devient il. Qu'il est joli le cheval de Sid Ahmed. Joli, aller au féminin avec e à la fin. Au masculin, elle devient sans e. Mais Ajmel Hissan Sid Ahmed. Quelle est jolie la chèvre de Sid Ahmed, mais Ajmala Mazatu Sid Ahmed. Maza a t'kemmel b'te marlouka fil akhir. Ça veut dire la fil mu'annas. Non. Pour le français, j'ai une E, fil mu'annas, à la fin, ou une L. Pronom personnel, L au féminin. Un Hissan. La fil mu'dakar, Hissan bima anna Hissan, la fil mu'dakar. Un joli dina sans e, l'adjectif taha ou dina sans e, ou un pronom personnel il, et un pronom d'accord. Rappelle la production écrite. Tu veux fabriquer un post-it d'un animal pour le présenter à tes camarades en classe. Tu dis de n, tasna, fiqrat hayawan, li tuqaddimaha li asdiqa'ik, li asdiqa'uka, le madrasa. On t'aide de l'image suivante. Nous sommes éduqués par le soir et écris un texte. Oktub nas li 5 4 5 asdar li tuqaddima al-maza. Oktub 5 nas li tuqaddima al-maza. Atawna hadou as-sawar. Atawna hnaya haoudi la chèvre. Hada le chevreau, c'est le petit de la chèvre. Le bou, c'est le mâle, huwa zawj la chèvre. Le chevreau, huwa sagheer la chèvre. Le lait, non, du lait. La chèvre, elle ne donne du lait. Non, il vit dans la ferme. La chèvre, elle vit dans la ferme. Utilisez la troisième personne du singulier. Istamil damir al-mufrad terit. Utilisez le fi'l mudari, le présent de l'indicatif. Utilisez des adjectifs qualificatifs suivants. Istamil as-sifat al-atiya, domestique, herbivore, mammifère. Maintenant, il dit comme petit paragraphe à la chèvre. La chèvre est un animal domestique. Al-ma'iz huwa hayawanun alifi. Al-ma'iz huwa hayawanun alifi. Elle vit dans la ferme. Yaishu fil mazra. Elle est herbivore. Huwa min akilat al-ashab. Elle se nourrit de l'herbe. Huwa min akilat al-ashab. Yataghadda bi al-ashab. Son pelage est blanc. Sha'ruhu abyad. Noir ou marron. Aswad ou bunni. Son mâle est le bou. Dakaruha at-tayth.
son petit et le chevreau. Sariroho, Sariroho, elle mesure 80 cm. Yaqisu 80 ila 1 mètre. De 80 cm à là, il a 1 mètre. Voyezinu 15 kg, il a 80 kg. Voyezinu 15 kg, il a 80 kg. Pèse, il y a le verbe peser. Yezinu. Mesure, yaqisu, c'est le verbe mesurer. Yaqisu. J'aime la chèvre, ou hibbu al-ma'za, parce qu'elle me donne du lait. Li annaha tu'atina al-halib. Et de la viande. Wa al-lahm. Et merci pour cette vidéo et n'hésitez pas d'abonner sur notre chaîne. Et merci, bonne chance.